Ah non mais laisse tomber, c'est lui qui me colle de ouf. Mais il a 13 ans mais il est déjà chaud. Hey, les gars, vous vous êtes déjà fait porter par la foule, en vrai, ça va vraiment être un truc de malade. Elle a un léger besoin de décompresser là. C'est toi cette histoire de déjà désolé. Quoi? Arrête de te foutre de moi, frère. Ta daronne a prévenu la mienne, arrête. Elle l'a remercié de vous accueillir. Ma mère, elle a rien compris, frère. Et si tu m'impliques dans tes histoires, faut me le dire, ok? Elle a rappelé ou pas? Non, j'ai sauvé tes fesses. Elle dit que t'étais chez Maya et c'était moi, j'osais pas lui demander. Mais t'imagines pas la triste que j'ai eue, hein? Ouais, Redouane, t'es pas tes amis, t'as pas honte, je t'ai pas élevé comme ça. Pourquoi t'es pas chez ta mère, en fait? Vous dormez où, là? Hé, frère, je te tends des pierres depuis des semaines. Si tu me réponds pas, c'est un javelot que tu vas recevoir dans la gueule, là, ok? Non, mais c'est juste qu'elle est partie bosser dans le sud et elle bat de nous laisser tout seul. Alors voilà, on habite dans un appartement avec le dégât des eaux et bah j'ai préféré lui dire qu'on était chez toi, c'est tout, ça la rassure. Tu m'avais pas dit qu'après la fermeture de son restaurant, elle avait trouvé une place de chef dans le 5e. Tu m'avais pas dit une brasserie. Oui, non, mais hey, c'est comme ça la restauration, ok? Tout le monde peut pas avoir une vie super réglée comme tes parents. Je suis désolé. C'est bon? Je peux y aller ou le commissaire adjoint Bédia a encore des questions? Putain, gros, sérieux? Ça va? Je me gère. Maintenant? Ça va? Jo, ça va? Oh, ça va. T'es sûr? Ouais, si. J'ai trop bu, c'est tout. Pouh. Ah. T'as pas à justifier, t'inquiète. Faut que je mange un truc fat, là. Je vais crever, ici. Bah, si tu veux, je connais un petit kebab pas trop loin. J'allais tout le temps avec mes parents avant, donc on peut y aller, si tu veux. T'as dit? Ça va me faire la gueule si je pars comme ça. Mais t'inquiète, c'est Aurélien qui gagnera ce soir. Donc je pense Tiff, dans une heure, elle a 3 grammes. Et elle nous aura bien oublié, t'inquiète. On y va? Vas-y, fais gaffe, on marche. Bilal! Tu vas où? Bah vas-y, nous on bouge. Mais reste avec les autres. Puis on se rejoint à la maison, ok?